Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec un passionné dont les yeux brillent dès lors que son regard croise la route d'une belle carrosserie. Chaque week-end, il ouvre la portière de Bolide. Que l'on ne pourra peut-être jamais s'offrir, c'est vrai, mais qui ont au moins le mérite de nous propulser dans l'univers du rêve et cette évasion qui nous offre chaque week-end est devenue une marque indéboulonnable du paysage audiovisuel. La preuve, à l'image du Jour du Seigneur sur France 2. Son émission fait partie des rendez-vous les plus anciens de la télévision française. Sauf que lui, c'est systématiquement le Jour du moteur et parfois même, vous allez le découvrir, le Jour de la sueur. Bonjour Dominique Chapat. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un Merci plaisir de, de vous accueillir ici. Alors, c'est le nom du magazine que vous présentez chaque dimanche à 11h20 sur M6 et cette semaine vous sortez les cotillons, les chapeaux à pointe car vous allez célébrer en grande pompe les 35 ans de cette émission. Alors pour cet événement vous allez recevoir Karine Benzema, le célèbre attaque-bord des plus beaux véhicules je du monde. Ah franchement, c'est scandaleux quand même, vous le savez. Oui certains, <laughs> certains dont mon président d'ailleurs me considère à chaque fois en vacances quand on se croise dans l'ascenseur, comme je suis posé puisqu'en général... Je suis face au soleil pour la caméra. <laughs> euh, il me dit Tu reviens d'où encore euh, de tes vacances <laughs> euh, Jusqu'à Nicolas de Taverneau. Jusqu'à Nicolas de Taverneau, votre, votre grand patron. Mais quand vous vous rendez sur des lieux de tournage, est-ce que vous vous dites néanmoins Je vais au travail Ou bien vous vous dites bah, C'est quand même un métier, après tout, euh, de faire une émission en lien avec l'automobile. Oui, c'est vrai que les, les voitures sont belles, mais c'est un boulot. Bah, ce qui est sympa dans une vie professionnelle comme la mienne, c'est d'associer tout. Ouais. C'est-à-dire de. De, de remplir une fonction, c'est-à-dire euh, de, de remplir une case dans la programmation d'M6, et puis après, euh, d'essayer des voitures, euh, parfois de rêve, vous ouais. avez raison, dans des cadres aussi de rêve, ah, oui. euh, en chanteur, et, et le tout euh, bah, rassemblé fait qu'on a envie de faire son métier euh, à chaque fois, à chaque semaine. Pas ouais. de, euh, je ne me sens pas forcé de travailler, ouais. c'est respectable et nous sommes des millions à le faire, ouais. euh, à, à travailler pour gagner sa vie, moi je le fais aussi pour gagner ma vie, mais en même temps, je procure du plaisir, avant toute chose, ouais. à ceux qui nous regardent, moi j'en profite, ouais. mais à ceux qui nous regardent. Bien sûr. Il y a une jouissance partagée. Ouais. Oui, c'est pas un entre soi, vous ne faites pas plaisir, vous, vous essayez de faire plaisir aussi ah, aux téléspectateurs. Oui. Non, mais ça important. se verrait, si je... Ouais. Ça se verrait. C'est pour ça qu'il y a toujours un équilibre dans l'émission, entre quand on met une belle voiture, on essaie quand même de... On n'essaie pas on s'efforce ouais. à tout prix à mettre une compensation, c'est-à-dire ouais. à revenir à des considérations euh, voilà, de... normales. Ouais. – Mais c'est vrai que votre, votre place doit quand même susciter des, des convoitises, ouais. au pire des, des jalousies. Vous savez s'il y en a certains qui ont tenté de vous piquer votre place ?– Alors, sur les, <laughs> sur les sites, il euh, y, y a eu des sites, c'est euh, « Je veux faire chapate ah », oui, avec la dénomination « Je veux faire chapate ». Et donc, il y avait, euh, moi j'ai reçu, on m'a envoyé effectivement des, euh, des, des, des ersatz de, de, de pseudo-turbo euh. avec les gars qui présentaient Bonjour, bienvenue ce matin. Alors, <laughs> après, ça, ça plonge un peu dans l'amateurisme sympathique. Moi, euh. je ne regarde jamais ça en me moquant. Mais c'est sympa de, de se dire on, on, on déclenche une telle envie, euh. un, un tel euh. plaisir que finalement, euh, et, et pas, je ne suis euh. pas singé, mais je suis. Euh. Euh, voilà. Ils essaient de faire la même chose. Alors parfois c'est tourné euh, très comique, très drôle. <laughs> parfois c'est parodique avec des, avec des voitures poubelles. Donc euh, ils vendent ça comme si c'était la dernière euh, des voilà. Et, et en fait c'est euh... non, c'est sympa, c'est sympa ouais. de se retrouver un petit peu euh, avec euh, avec des, des jeunes pour la plupart et qui euh, qui s'emploient à, à faire du turbo. Mais vous n'arriverez pas à la voûte plantaire de Dominique Chapaz. Je ne sais pas, mais peut-être qu'un peut qu jour, je trouverai mon successeur dans, dans ces dans ses essais euh, amateurs. – On vous souhaite encore de longues belles années quand même à la tête de Turbo, Dominique Chapan. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser euh, toutes vos questions à notre invité. Est-ce que vous faites partie des irréductibles téléspectateurs qui, chaque semaine, regardent Turbo Est-ce que vous aimeriez peut-être aussi voir Dominique Chapan dans un tout autre exercice N'hésitez pas, toutes vos remarques, toutes vos suggestions, on y revient juste après les audiences. Alors, Dominique, la tradition ici, c'est de dévoiler systématiquement les résultats des émissions qui ont rythmé la première partie de soirée de la veille. Et CTF TF1 hein, qui s'offre euh, cette fois-ci une confortable place de leader grâce à la suite de la quatrième saison de Balthazar. L'épisode inédit de cette série euh, portée par Thomas Sisley a fédéré 4,6 millions de fidèles, ce qui représente tout de même 25% de part d'audience. Si on établit ce classement en fonction de la part d'audience, on se rend compte que c'est ensuite M6, votre chaîne, qui arrive sur la deuxième marche du podium avec près de 2 millions de fidèles qui ont assisté aux aventures des candidats de Pékin Express, toujours animés par Stéphane Rothenberg. Euh, ensuite, c'est Élysée 2022, l'émission politique de France 2, qui arrive sur la troisième marche du podium, toujours incarnée... Par Léa Salamé et Laurent Guimier, également directeur de l'information de France Télévisions. Et enfin, on termine avec France 3, qui ne parvient pas euh, effectivement à décrocher le bronze sur ce coup-ci, euh, mais sur la soirée d'hier, avec Prête-moi ta main, avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat, il signe tout de même un bon score. Vous, quand vous n'êtes pas dans des voitures, cher euh, Dominique Chapatte, euh, qu'est-ce que vous regardez à la télévision Déjà, est-ce que vous regardez de la télévision En priorité, je regarde les 20 heures. Quand même Oui, vous regardez l'information. Ah, je regarde l'info, moi. Je ouais. suis euh, né journaliste et je resterai journaliste. Je regarde les 20 heures. Après, j'aime bien les émissions de distraction. Ouais, vous regardez un peu les divertissements Oui, oui, oui. Les divertissements, euh, parfois même un peu euh, décalés. Moi, j'adore ouais. chez nous euh, Mario au premier regard. Ah, c'est génial, Mario au premier regard. Je trouve sûr. ça, je trouve la formule ouais. fantastique. Alors, ça fait beaucoup polémique aussi, attention. Est-ce que ça oui. désacralise pas un peu le mariage Oui, non, mais ah. des... <laughs> les... aujourd'hui, au 21e siècle, il faut dépasser ça. Mais moi, j'aime je... bien cette spontanéité. Ouais cette approche de gens qui ne se connaissent pas, et ce qui est formidable, ouais. c'est surtout euh, l'annonce ouais. faite au, à la aux famille, ouais. faite aux amis. Et, ouais. euh, et je me souviens d'une émission, euh, c'était d'ailleurs animé par un comédien, je ne sais ouais. pas si vous vous souvenez, ouais. euh, qui euh, avait en fait pour but ouais. de faire gagner à une candidate une très belle somme, ouais. en laissant... En, qu'elle elle supposait qu'elle allait qu l'épouser. Ah oui, c'était mon incroyable fiancé. Mon sur TF1, incroyable avec fiancé. Laurent Wauquiez d'ailleurs qui, qui voilà. participait à cette émission qui voilà. est aujourd'hui dans Camping Paradis. Voilà. Tout à fait. Et, euh, et mais il y avait des séquences génial. fabuleuses. Ah ouais. Et je trouve que dans Marié au premier regard, il faudrait peut-être une séquence comme ça quoi, ouais. où ah. le où le gars a des attitudes ah. totalement déjantées <laughs> face à la famille, aux proches, aux amis. C mais c'était. Euh... C'était d'une drôlerie. Mais par contre, je... la est content de ne pas faire partie de la famille, quand même. Oui, <laughs> mais moi, j'aime bien ces émissions qui ouais. détendent. Quoi. C est... C est après, les magazines d'investigation me plaisent beaucoup aussi. Ouais. Euh, et puis les films, mais dès lors qu'ils sont euh, voilà, des contractants distrayants. Vous avez un peu migré aussi sur les plateformes, type Netflix, Amazon Prime euh, les non. Plateformes de... non, non, pas non, vraiment. Je non. l'ai pas encore mis. Non. Je sais pas que je ne suis ouais. pas mis, mais, euh, mais ce n'est pas, mon... pas mon kiff. Non, non, ouais. non, non. Je ça, reste très. Que... Et moi, non, moi j'aime bien la, la présence du direct. Et puis le côté aussi peut-être sacré ça, ça de l'heure à laquelle on doit se connecter à la télévision pour regarder une émission, ce que les plateformes ont complètement un peu fait exploser mmh, avec mmh. ce côté délinéarisé. Euh, voilà. En tout cas, il y a une émission qui est programmée chaque matin, c'est le dimanche, ça s'appelle Turbo, et on en parle tout de suite dans l'interview du BASSE TV. M6, donc diffuse ce dimanche. C'est à 10h50. Dans un premier temps, un documentaire qui compile les meilleurs moments hein, du magazine Turbo à l'occasion des 35 ans de l'émission. Et ensuite, à 11h20, vous entrez en scène avec Karine Benzema, c'est votre invitée à cette occasion. Pour quelle raison vous avez, soufflé de, vous avez choisi pardon, de, de souffler ces 35 bougies en compagnie de, de ce joueur de football Oui, alors on a, on a choisi déjà délibérément, ouais. euh, avec la, la, la direction de la programmation, de ne pas faire de paillettes, de champagne, euh, de youpla boom. Ce pas le but. En revanche, on a cherché quelqu'un qui correspondait à, à l'image de l'émission, à savoir un jeune, oui. ce qui est encore jeune, et surtout qui a regardé l'émission dès oui. qu'il était petit. Il est né il y a 35 ans. Il a regardé l'émission dans la banlieue de Lyon, où il habitait, à Bron, avec son père. Et oui. il en parle dans l'émission, d'ailleurs, que voilà, ça a fait partie de sa, de sa jeunesse oui. télévisuelle. En plus, bon, bah, c'est une star mondiale. C'est probablement euh, le plus bel attaquant de l'histoire euh, du football, aujourd'hui encore. Et, euh, et il aime les voitures. Et il aime les voitures. Aime les voitures. Ça, c est, c est Mais c'est ce qui compte beaucoup. Il, il en parle avec la, comment dirais-je, les souvenirs ouais. de, de voitures beaucoup plus modestes que, ouais. que celles qu'il avait auparavant. Et il parle de sa, de sa, de son, de sa mini. Avec les, les pépites encore dans les yeux, voilà. Parce que c'était sa première voiture, euh, ou l'une de ses premières voitures. Là, il a dépassé le cap aujourd'hui. Euh, voilà. Il y a un très beau garage. Alors, c'est vrai que dans cette émission, Karim Benzema va s'essayer au volant d'une McLaren, hein, 765, je crois. C'est ça, Elle était, ouais, tout à fait. 765 euh, ainsi qu'une oui. Porsche qui, elle, est 100% électrique. Euh, Est-ce que c'est un aussi bon conducteur que joueur de football euh, Il tient bien le cerceau. Ouais. Il tient bien, ouais. Oui, oui, oui. Alors, il. Euh... Il m'a avoué que de temps en temps, il faisait un peu de, de circuit, ouais. parce qu'en fait, bien souvent, les équipes de football sont liées, ont des partenariats avec les constructeurs. Ouais. Le Real Madrid, c'est avec Audi. Donc, on lui a proposé d'essayer mmh. des, notamment des R8, des R8 ou ouais. des, R, des RS ouais. sur des circuits. Et on voit qu'il qu sait tenir le, le volant, oui. Et à l'inverse, c'est vrai que est-ce que vous êtes aussi pointu vous en, en foot que lui en automobile Est-ce que vous vous connaissez autant le milieu du pas ballon rond que, que la voiture moi. Alors je vais vous avouer, j'y suis même allé sur la pointe des pieds parce que ah, je oui. suis, il faut pas qu'on entame une conversation ah. tous les deux où il va me faire référence à, vous êtes dit à la 43e minute de jeu face au Barça. Et, oh là, je suis là, <laughs> là je vais avoir l'inculture, le vide. Le vide sidéral. Alors, mais on a... Non, mais on n'a parlé que de voiture <laughs> On a reçu une question de, de, de Clément euh, sur Twitter. Alors, on est également en direct hein, sur la page YouTube de Télémagazine et Figaro.fr. Il aimerait savoir dans quelle voiture vous vous roulez, euh, Dominique Chapat. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que c'est est votre cas <laughs> Alors, il y a deux situations. Moi, j'habite en partie à ouais. la campagne et j'habite en partie à Paris. À Paris, je le dis, alors très franchement, je suis taxi ou métro. J'ai jeté euh, les clés de contact. Non, pas dans la Seine, mais dans la boîte à gants. J'arrive à Paris avec la voiture, je laisse la voiture dans un parking et boum, je n'y touche plus. À la campagne, euh, ben je me déplace avec diverses voitures parce ouais. que j'aime bien, euh, bien les voitures anciennes. Ouais. Je, je ne cache pas ma passion pour les mini, les, les mini. mini voilà Et puis. Euh, je, je roule euh, en 4x4, ou, euh, ouais. voilà. mais essentiellement en mini. Mais vous, vous ne cachez pas votre passion pour les mini, mais vous ne cachez pas non plus votre passion pour les Bugatti. Est-ce que vous avez des Bugatti chez bah vous Tiens, bah, <laughs> bah voyons. bah voyons. Bon, pas on une, mais deux. <laughs> deux ouais, ouais, ouais. C'est le cas de Karim Benzema. Il, il, il énumère un peu toutes ses voitures aussi dans, dans cette émission. Vers le début, il dit qu'il a d'ailleurs deux Bugatti. Une Déron et une euh, euh... Chiron, oui. Alors, la, la question que je vais vous poser, évidemment, est-ce est qu'à l'heure de la crise, on parle beaucoup, vous qui regardez les JT, de pauvreté aussi en, en France, est-ce que vous n'avez pas peur que les téléspectateurs vous reproche est un peu en décalage par rapport aux préoccupations euh, quotidiennes, ou bien vous assumez complètement ce côté, bah voilà, on vous fait rêver, il y a des belles non, voitures il y en non, a qui non, ont la chance d'en si posséder. Me... Non, mais. Je vous interromps, pardon, mais, mais je, si céder. je me réfère à l'attitude du public en ouais. général par rapport au salaire, à l'annonce du salaire ouais. des joueurs de football, aux États-Unis, euh, euh, des, des, des joueurs de baseball et tout, euh, ça ne choque personne. Hum. Qu'avec son argent, il achète ce qu'il veut, ouais. des villas, des yachts, ouais. des voitures, euh, des avions. Ouais. Moi, ça ne me, ça me heurte pas. Après, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas surpayé pour ce qu'il fait C'est pas mon problème. Ouais. Je ne me pose pas la question. En tout cas, le grand public, ça ne le heurte pas. Il ouais. n'y a, a pas une, un décalage en disant c'est une honte de, ga, de gagner un tel argent. Là, on a annoncé le potentiel salaire de Mbappé oui. s'il va effectivement en Espagne. Euh, je crois que c'est de l'ordre de 276 000 ouais. euros par le jour. Je mesures, démesuré totalement. Bah, euh, ouais. Je n'ai pas entendu la moindre protestation, parce qu'on considère que ce gars, il est. Pardon, ce, cet homme, ce ouais. fabuleux joueur, il est ouais. essentiel ouais. pour faire gagner une équipe. Euh, c'est le prix du marché, quelque part. C'est le prix du marché. Après tout, ouais. si on lui donne, c'est qu'on peut lui donner. Exactement, voilà. tout à fait. Il Et propose il fait un ça. prix. Moi, on me dirait. Euh, tu veux combien pour bosser à M6 <laughs> Je vous rassure, je m'achèterai une Chiron très, très rapidement. On connaît la réputation de Nicolas de Taverneau, cher Ça, Dominique Chaballon. Je le confirme. <laughs> Alors au total, vous allez me dire si je me trompe, mais je crois que vous êtes installé dans plus de 3000 véhicules depuis euh, ces 35 dernières années. Euh, comment vous les choisissez Au-delà euh... des 35, parce qu'avant, j'étais passé par… Euh... Par RTL et RTL Télévision, où là, pendant 11 années, 13 années, j'ai ouais. essayé des voitures. Vous avez essayé des voitures. Donc là, on n'en est pas loin des 4000, j'imagine. Non, non 3000. 3000. 3000, quand même. 3000, ça sera raisonnable. On reste dans les 3000. Comment vous les choisissez euh, chaque semaine, ces, ces véhicules Comment ça se passe Ça tient compte de l'actualité de l'automobile, ouais. euh, des voitures sur lesquelles on ne s'est pas assez attardé, sur lesquelles on veut revenir. Et puis, euh, et puis donc, l'actualité, la présentation de nouveaux modèles, euh, c'est parfois en cascade, des fois un peu plus ralenti. Et là, en ouais. ce moment, c'est un peu plus ralenti. Mais comment ça se passe C'est-à-dire que c'est ce, vous, la production, qui sollicitez les marques euh, pour qu'elles ouais. vous prêtent des voitures Ou bien ouais. c'est l'inverse C'est-à-dire que ce sont des, des marques qui viennent vous voir en disant ce Mais serait dans, quand même pas dans mal Dans les de deux cas, il y a des présentations internationales ouais. où là, euh, ils s'installent à Barcelone, à Rome, et puis ils font venir euh, un millier de journalistes euh, du monde entier pour ouais. essayer la voiture. Où il y a des présentations nationales. Là, on y va quand on a raté l'international, ou euh, que le cadre ne suffisait pas pour travailler. Ouais. National. Et puis après. Quand on n'a pas répondu aux cases 1 et 2, on, on sollicite ouais. le, le parc presse du constructeur. Mais lorsque une marque vous prête une voiture, mmh. est-ce que vous avez le droit de la critiquer négativement ou bien vous êtes contraint de dire du bien de la voiture au risque que cette marque-là ne vous en prête plus jamais Je crois que si vous regardez l'émission, on ne se cache pas du. Voilà. Ah ouais. Là, j'étais récemment dans une auto pour une émission qui va passer prochainement. Autant l'esthétique extérieure me ravit. Autant dans l'habitacle, c'est la grande déception. C'est très cheap et je le dis à l'antenne, oui. Ouais. Et, et ça sera maintenu à l'antenne. Il n'y a pas de, il a pas de. Mais jamais les marques ne font pression sur vous en disant, euh, ah là, vous avez été un peu dur, franchement, la prochaine fois. Pression, vous ne vous pas parce qu'on vous fait de la pression. Non, 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 non. Pression, c'est pas ça. La pression, <laughs> la remarque, ça peut être euh, bon, pas très sympa. Hein, ouais. Bon, euh, voilà. Mais il n'y a pas euh, sanction. Euh, ça, c'est fini. Il y a eu. Il y a très très longtemps, ah ouais. moi, quand j'étais en radio, il y a effectivement des marques qui vous sanctionnaient ouais. quand euh, vous aviez un retour antenne radio, notamment pour moi, ou papier, ouais. euh, qui n'était pas conforme à leurs euh, attentes et exigences. Ça, vous étiez sanctionné. Aujourd'hui, c'est fini. Et même lorsque des... Et marques... puis même aujourd'hui, il n'y a plus de voitures. Il y a eu une période, mmh. moi, dans ma carrière, où il y avait des voitures qui vraiment appelaient la critique à fond, quoi, ouais. où ça, ça n'allait pas, il y avait vraiment des gros problèmes. Aujourd'hui, de la voiture de grande diffusion, je ne parle pas de la voiture de luxe, mais ouais. euh, toutes les gammes, euh, les voitures sont quand même pour la plupart du temps excellentes. À ceci près, moi je mets toujours la réserve mmh. que nous on essaye une voiture sur 400, 500, parfois 1000 km. Moi je ne réponds pas après de la, de la voiture quand euh, ouais. elle est depuis plusieurs années aux mains d'un particulier. Ça je ne sais pas. Nous on peut juger dès l'abord. Par la suite, c'est beaucoup plus. Problématique. Et en 35 ans, c'est vrai que le paysage audiovisuel, vous en êtes le témoin, il s'est radicalement transformé. De quelle manière le magazine Turbo a-t-il évolué dans le temps J'imagine que la première émission n'avait strictement rien à voir avec celle qui sera diffusée ce ça, dimanche. Ça évolue naturellement, c'est comme les modes. Euh, voilà, ouais. les, les modes se, su, se, se suivent, euh, il y a une succession de, de styles. Ouais. Bon, ben bah, voilà, l'automobile c'est pareil, et on s'est adapté par rapport à la mode automobile, aux successions de styles, de de, de technologie. Et vous avez plus de moyens aujourd'hui, par exemple, dans le magazine Turbo que vous n'en aviez euh, il y a 35 ans Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment... Au niveau, au niveau de la fabrication Oui, de la fabrication des médias. Ah bah heureusement quand même, ouais. même si Nicolas Taverneau veille à tout. Euh, <laughs> non, non, mais non, il nous laisse travailler quand même dans, je dirais pas dans le confort, mais euh, dans la logique. Attendez ceci, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a 35 ans, on le sait, c'était l'âge d'or de la télévision, il y avait très peu de chaînes, la TNT n'existait pas encore, les animateurs mmh. étaient quand même très bien payés. Vous, Dominique Chapette, est-ce que vous avez conservé votre salaire de l'époque Vous avez vous avez quand même beaucoup d'ancienneté aussi. Vous avez ouais. pu renégocier tout ça aussi. Comment ça se passe de pas, ce point de vue-là euh, Je ne je suis pas un pousseur de porte, quoi. C'est vrai. On me paye à, à, à l'estime qu'on me porte et au travail que je fais, quoi. Et est-ce qu'on vous porte beaucoup d'estime, selon vous, Dominique Chapette Alors il y a l'estime, <laughs> ouais, la confiance et puis euh, le rapport qualité-prix, ouais. Je pense que si l'émission dans son ensemble, pas Dominique Chapat, pas seul à faire l'émission, ouais. si l'émission ne satisfaisait pas ou plus ouais. euh, la direction générale, elle passera à la trappe comme d'autres émissions. Je pense Il y a un rapport de, de confiance. Je ne dis pas que ça génère pour autant euh, une échelle de salaire qui, est, qui va croissante. Non, ouais. mais ce qui est bien, c'est ouais. qu'on me laisse bosser. Quoi. On nous laisse bosser ouais. sans. Sans être l'œil sur le, le cœur du cyclone, quoi. Oh. Et, et la télévision, aujourd'hui, c'est un cyclone. Vous donniez les audiences à oui. l'instant. Bon, bah moi, à 9h03 le lundi matin, je suis devant les audiences. — Ah, vous êtes, euh, vous êtes accro aux, aux audiences. — À 9h03 pile. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ben, oui. Ben, — Et un, juste bon score, pain, hein. un bon score, c'est quoi pour vous quand on, on, on fait des bon. pointes à 1,1 million, 1,2 million ah d'émissions, oui. Oui. Oui, oui. Sachant que votre émission en moyenne tourne autour des 800 000 téléspectateurs. C'est un peu plus de 800 000 téléspectateurs. Oui, on, est, on, est, on se balade entre 900 000 et 1 million. Euh, oui, ouais, bien souvent, ouais. effectivement. Et euh, comment vous expliquez cette, euh, cette longévité Parce que une émission qui est à l'antenne depuis 35 ans, c'est extrêmement rare aujourd'hui. C'est inexplicable comme ça, et en même temps, euh, on peut le comprendre. Ouais. Inexplicable ouais. parce que c'est la. Après, euh, l'explication, c'est. Euh, la relation que nous-mêmes, nous avons euh, à l'intérieur de l'équipe vis-à-vis de euh, ceux qui nous regardent. Ouais. C'est un traitement qui est toujours... Euh, moi, je dis à euh, euh, Turbo, c'est 3P. Mmh. Passion, partage, proximité. Passion, je pense qu'elle transpire euh, aisément. Ouais. On voit qu'on fait ça par, euh, par plaisir. Ouais. Euh, partage, ben, voilà, on échange. Et proximité, on est toujours... En veille de ce qu'attendent les gens. Ça, c'est peut-être la partie la plus délicate. C'est sentir d'où vient le vent et, et vers où il va ensuite. Est-ce que vous pensez que vous êtes reparti pour euh, pour 35 ans non, supplémentaires, bon, pour, sachant que en 35 ans, vous aurez. Euh, on va pas trahir votre âge, mais vous aurez plus de 100 ans, oui, a priori. Oui, oui, oui. oui. <laughs> non, non, mais, non, non, mais bon, euh, on va être gentil. Euh, on va surtout faire grâce euh, de la sénilité à l'antenne. <laughs> mais vous, vous êtes donné une date de départ ou pas non. non, pas du tout. Non. Tant que ça roule, c'est le cas de le dire, vous, vous y allez. Moi, je me, je me mets entre les mains de, de ma direction, du directoire. Euh, on me dit, euh, chaque année, à cette époque d'ailleurs, on repart. Ouais. Un jour, on me dira, on arrête. Amicalement, euh, on, on se serre la main chaleureusement, ah. amicalement. ben voilà. Donc là, vous repartez pour une 36e année à partir de la rentrée, en principe. Je suis très carpe diem. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Je suis au voilà. On verra ce qui se passe. Oui, oui, oui. Je prends ouais. comme c'est. Vous êtes comme les joueurs de football, donc Karim Benzema, vous prenez les matchs les uns après les autres. C'est ça le plus important. <laughs> je crois que l'essentiel c'est pas de se poser la question quand ouais. je vais arrêter, quoi. Bien sûr. Moi, j'entends souvent les, les animateurs, les présentateurs dire, je ne ferai pas le combat de trop. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Sur hum. le jour où on vous donnez vraiment le... On vous voit, on vous espionne, on regarde vos attitudes, vos réflexions. Vos, voilà, le jour où je donnerais vraiment le sentiment d'être détaché, de me détacher de l'émission, euh, de moi-même, je dirais, bon, euh, mais tant que les, les gens qui me croisent ouais. me disent... Euh, Continuer, continuer. il bon, y en a certainement qui doivent penser quand est-ce qu'il arrête. Ça, ça fait partie du jeu, ça. Hein. Alors, on va prendre une question d'Hugo euh, sur euh, Twitter. Hugo qui aimerait savoir quel est le meilleur et le pire invité que vous ayez reçu depuis 35 ans C'est vrai que vous en avez reçu, hein, des personnalités euh, dans Turbo. Le meilleur hein. Oui, celui qui vous a particulièrement marqué. Ouais, ils sont plusieurs. Hein. Ouais. Ils sont plusieurs. Ouais, bon, euh, au niveau des pilotes… Euh... J'en ai reçu quelques-uns avec des, des séquences chez Coeur dans les, dans les voitures qui étaient... Euh, bon, il fallait avoir le cœur accroché. Ah ouais. dire, après, vous vous dites, euh, je suis en toute confiance parce ah que ouais. si lui se sort, euh, c'est vraiment qu'il... Euh, non, mais ah tout ouais. se passe bien. J'ai touché du bois à chaque fois. Le pire, non, on n'a jamais été... Euh... Vous n'avez jamais été déçu par un invité ou par euh, voilà, quelqu'un qui euh, vous aurait mis non, non, parce que tous ceux qu'on a invités, ils jouaient le jeu. Il se glissait vraiment dans la peau du passionné aussi. Attention, ouais. c'est très difficile d'avoir des invités. Il faut qu'ils soient dispo, il faut qu'ils aient envie de parler de voiture. Faut, voilà. À ce propos, vous avez récemment, je crois, déclaré dans les colonnes de Télécable sap -d que oui. vous que vous regrettiez de ne jamais avoir reçu Johnny Hallyday, qui lui était un grand passionné de, ouais. de, de voiture. Comment ça vrai. se fait qu'en 35 ans, vous ne l'avez jamais, jamais invité ou c'est ben, lui qui n'a pas trouvé une, de. de c'est une Bévue. Ah oui, c'est un, un. Voilà, il est passé à côté. Quoi. Il est passé entre ben, les mains. C'est moi qui suis passé à côté. En plus de ça, on avait. Euh, on avait euh, des relations communes ouais. avec mon, mon copain qui, euh, qui euh, organisait tous ces, tous ces road trips à moto aux États-Unis. Et c'est vrai que je n'ai jamais posé la question. Mais là encore, c'était un peu difficile. Je pense que le personnage, quand il était dans son monde, ouais. et notamment à moto aux États-Unis, il était dans son monde. Voilà, il ne fallait pas le troubler. Il fallait pas la... On l'a on suivi euh, il y a très longtemps. Entre, je crois que c'était entre, pas New York, mais entre la côte est et la côte ouest. Ouais. Et c'était redoutable. Il arrivait sur la moto, le, au sortir du lit, à n'importe quelle heure. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Moi, ouais. j'ai des timings. Euh, Bien sûr. Euh, même si c'est Johnny Hallyday, on a prévu de se retrouver à, à 8h30 après ouais. le petit déjeuner euh, dans, un, dans un hôtel euh, au Colorado. Il descend de sa chambre à 14 heures. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Bien sûr. Bah, voilà. Mais je respecte. Je suis un, Vous avez des équipes aussi. Je suis travailler. un admirateur ouais. fou de, euh, de Johnny. Parce que je trouve que euh, le personnage dégageait quelque ouais. chose. Et puis, bon, et, quand il arrivait sur scène en ouais. Harley, euh, voilà, c'était ouais. un showman et fabuleux. Mais y a des, ce sont des gens difficiles à travailler. Bien sûr. Compliqué, effectivement. Mais je regrette. Ouais. Et une, une question qu'on va poser. Je prendre... regrette aussi Christophe. Ah oui, Christophe. Parce que aussi. Christophe. Euh, peu de temps avant sa mort, ouais. on, a, on nous a proposé un reportage, euh, enfin de faire une séquence avec lui. Je n'étais pas disponible. C'est une journaliste qui est allée. Ouais. Et euh, pour moi, il, il m'évoquait tellement de souvenirs d'enfance avec des, ouais. des autos. Euh, je regrette. Bon, ben voilà, ça ouais. fait ouais. partie. Alors, une, on va prendre une question d'Augustin qui aimerait savoir, et vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, euh, ce que vous pensez de ces politiques qui font la chasse à la voiture. C'est vrai qu'aujourd'hui. Votre émission, elle n'est pas politiquement correcte, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que la mode, ce serait de se séparer de son véhicule, voire même d'acheter de, un véhicule 100% électrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les moteurs thermiques ne euh, sont pas forcément les amis des politiques. Moi, je n'aime pas les méthodes coercitives. Hein. Je, je parle mmh. toujours de, je parle de ce principe que ça tout, tout mérite concertation. Quoi. Ouais. Prendre des mesures drastiques, euh, punitives, euh, qui excluent... Euh, euh, la voiture qu'il a banni des villes, je ne le comprends pas. Je comprends qu'on puisse aller vers une qualité de vie meilleure. Mmh. C'est logique, tout le monde le souhaite. Moi, je préfère respirer euh, l'air de la campagne que les gaz d'échappement. Mais il faut, faut aussi en passer par, euh, quand même, euh, un compromis, non ouais. J'ai vu qu'il y avait dans les projets de la ville de Paris de faire des zones apaisées, ouais. où oui. vous rentrez. Avec un justificatif Oui, c'est ça. Il faut et il y vous y a... sortez avec un justificatif ouais, comme, Un ticket de euh, paiement, je crois, c'est ça quelque Un chose ticket chose de caisse voilà. ou une ordonnance de médecin Non, mais où va-t-on ouais. Où va-t-on quoi Ça, ouais. c'est punitif. c'est… Euh... – J'allais vous poser cette question-là, d'ailleurs, parce que, bon, à chaque fois qu'on a un, un présentateur d'émission automobile, on lui pose la question est-ce qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, est d'une certaine manière l'ennemi juré de tous ceux qui adorent la voiture Parce qu'on sait qu'elle mène aussi, à son échelle, une guerre contre la voiture, Anne Hidalgo. Ben, — C'est clair et dit qu'elle ne ouais. veut plus de voitures dans Paris, notamment les plus polluantes, euh, aux horizons euh, 25-30, oui. oui. — oui. Et alors c'est vrai que pour votre émission, en tout cas, Turbo, euh, elle doit faire face à de nombreux concurrents maintenant. Alors Automoto, qui existait déjà, de, je crois, depuis 1975. Mais on a aussi d'autres marques avant, oui. ça, qui sont arrivées, comme Vintage Mécanique, par mm -hmm. exemple, sur RMC Découverte. Comment vous arrivez... — Très bonne émission. Euh, — Très bonne émission. De... — Avec un... Un collaborateur de Turbo. De François, François voilà, voilà. exactement. Très bonne émission. Comment vous arrivez à vous démarquer de, de, de toutes ces, ces émissions C'est vrai que maintenant, euh, il y en a quelques-unes quand même. Chacune a son style. Ouais. Hein. Nous, on, est, euh, euh, on, on a mis vraiment euh, le curseur euh, sur les, les voyages, associer la voiture au voyage, à l'espace, à l'air libre. Ouais. À, bien qu'on fasse de temps en temps des émissions dans les villes. Bien sûr. Et, pour moi, c'est une des forces majeures du, du produit. Alors l'espace, les voitures, c'est aussi un petit peu aussi le socle sur lequel repose Top Gear. Alors ce n'est pas vraiment la même chose. En mars 2015, cette émission a été déclinée en France. C'est un concept britannique qui est présenté notamment par Philippe Lelouch aussi sur RMC Découverte comme Vintage Mécanique. Est-ce que cette émission à mi-chemin entre le magazine d'information, parce qu'on a aussi des informations et le divertissement, vous a aussi poussé vous un peu à vous réinventer ou alors pas du tout – On regarde tout le monde avec, ouais. euh, avec curiosité, euh, on, on en prend, on n'en prend pas, en tout cas on ne dénigre pas, Je, ouais. dans la rédaction on ne passe pas notre temps euh, à l'issue de ouais. chaque diffusion d'une euh, émission concurrente, à dire ah là là, ça, ça nous passe complètement, euh, ce n'est pas notre problème. Ouais. En revanche, il euh, y a effectivement des adaptations par rapport à des, des idées qui peuvent germer chez les autres, ils s'inspirent parfois des nôtres, on s'inspire ouais. parfois des leurs, voilà… Et, et puis, euh, chaque, disons que vous, vous êtes un, peu plus, un. Vous bichonnez les moi, voitures quand eux, ils ont tendance parfois à les détruire. le font moins maintenant. Hein, non, dit. mais moi, je suis mais... pas l'espèce de, de, de gentil monsieur qui trouve tout le monde. Euh, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Euh, non, mais on non, sent mais... un véritable. Euh, je dis pas que les, vos confrères de, de Top Gear ne respectent pas les voitures, loin de là. Mais vous, disons qu'on sent un véritable respect en, envers la voiture. On a l'impression que voilà, c'est. Un respect, pas une sacralisation. Pas une sacralisation. Pas une sacralisation on se l'interdit. En revanche, quand une voiture nous plaît, on le dit, voilà. Si elle ne nous plaît pas, on le dit également. Et ouais. c'est pas pour autant qu'on va la clouer au, pilo au pilori. Est-ce que les jeunes regardent encore votre émission D'ailleurs, on a l'impression que le jeune public se déserte un petit peu toutes ces émissions ah, de... Carrément clair, de oui, oui, oui C'est carrément clair. Pourquoi Comment vous l'expliquez parce que, parce que c'est en dehors du fait d'habiter hors grande ville, ouais. la voiture, c'est devenu un... Ah, c'est un, un poids, quoi. Ouais. Moi, quand j'avais... Quand j'ai eu 18 ans, ouais. euh, et euh, je dis toujours, à une minute, j'avais la voiture qui m'attendait déjà, et ouais. le permis en poche depuis, chose, ouais. euh, depuis une minute. Euh, là, aujourd'hui, ce n'est plus la préoccupa préoccupation principale. Il faut se loger, je parle des jeunes, il hein. faut se loger, il faut se nourrir, il faut payer ses, ses études. Et puis maintenant, on se déplace, j'entends les promos euh, en radio, je vois en télé les promos pour aller à New York à des prix. Euh, je pense que plutôt que d'acheter une voiture, ouais. ils préfèrent faire euh, du covoiturage faire louer oui, aussi, oui, ou, ou aller dans des endroits euh, à l'autre bout du monde euh, finalement au prix d'une mensualité euh, ouais. d'une voiture en LOA. Hein. – alors je sais que votre votre comment dire votre votre slogan préféré c'est carpediem mais comment vous allez faire pour vous réinventer parce qu'un jour ce jeune public-là va chasser celui qui vous regarde mmh. et là automo euh, automoto pardon turbo euh, voilà va devoir se réinventer d'une certaine manière si les bah, gens ne regardent plus la voiture euh, hein. Oui, je n'ai pas, pas réfléchi à ça. Vous n'avez pas réfléchi à ça Je n'ai pas réfléchi à ça. Attendez, le jeune public, c'est les 18-25 ans. Hein. Oui, bien sûr. Parce que après, quand même, à partir de 30 ans, on voit quand même qu'il y a une considération. Mais la sérieux? voiture, on en a besoin. Hein. On a besoin. Ça reste quand même un, ouais. un privilège de pouvoir s'acheter une voiture. Vous connaissez, tiens, je vais vous poser une question. Allez-y. J'espère que je ne vais pas s'échapper. Vous, vous connaissez l'âge médian ouais. en France d'achat d'une voiture neuve Oh, médian ah, Je dirais, allez. 28 ans peut-être Pardon Non C'est beaucoup plus 52 ans. 52 ans Ah, une voiture neuve. C'est en ça que j'ai été j'ai pas été très attentif. 52 ouais. ans. Alors certes, c'est un peu ah, euh, aujourd'hui euh, remis en cause avec les locations, les ah, formules ouais. de location, mais 52 ans. à, 5 ans, à ouais. Pas avant 52 ans, l'âge médian, on accède à une voiture neuve. Voilà. Ouais. Donc avant, on achète des voitures euh, via un copain, via des réseaux, ouais. ou d'occasion, évidemment. Ouais. Une dernière question que je voulais vous poser avant d'aborder notre dernière rubrique en toute franchise. Euh, je vais vous comparer un peu à Denis Brogniard dans le sens où Denis Brogniard anime sur TF1 Automoto, vous le connaissez bien. un pote. Alors lui, on le voit un peu sur tous les fronts. Il anime également Koh Ninja Warrior, il commande de nombreux formats. Vous, on vous voit que dans Turbo. Est-ce que vous aimeriez aussi, vous essayez parfois à d'autres exercices, à des émissions de divertissement qui sont très loin de l'univers de la voiture ou pas du tout Ces ingrédients-là, euh, même si j'en suis frustré. Euh... Ouais. Par ailleurs, en dehors de Turbo, je les insère euh, dans l'émission. Dans l'émission. Moi, je suis passionné de musique, ouais. classique, blues, euh, rock. Et quand je fais des voyages, notamment aux États-Unis, je pars avec une playlist. Et, euh, et je, de temps en temps, je glisse tiens, allez, on, va, on reprend la direction ouais. de Vegas et on va s'écouter ça. Je me fais plaisir comme ça. Et ça marche. Ouais. J'ai construit toute la, la route 66 comme ça, qu'on avait faite plusieurs fois. Et donc, et là, vous avez fait un livre d'ailleurs aussi. Et, et voilà. Et, et avec une playlist qui est sur. Euh, sur le net euh, bon je ne peut pas faire une émission musicale mais vous savez, vous êtes un petit peu il y a les journalistes ouais. dont je fais partie dont vous faites partie ouais. et on est on est positionné sur un produit oui tout à fait ça marche bien ouais. on ne voit pas pourquoi vous feriez autre chose ouais. moi je ne suis pas un couteau suisse sur M6 ouais. euh, mes patrons trouvent que je suis très très bien là ils savent que j'ai d'autres passions Notamment la musique, ouais. notamment euh, les arts. Il ouais, n'imagine pas Dominique Chapat passer. Une... Et puis il n'y a pas d'émission musicale. Ouais. Donc, euh... après oui, après tout, c'est vrai que Philippe Echebest reste à la cuisine, Cyril Lignac, pareil, à la pâtisserie. Ouais, c'est gentil, je sais pas les, les talents de ces, de ces messieurs. Bah, dans votre domaine, bien sûr que si. Oui, ouais. non. Dans c'est le naturel, moi, qui ouais. prévaut. C'est pas. C'est un peu ce qui me rapproche avec ouais. eux, c'est le naturel, les produits naturels. Ah, ça, ça m'intéresse le naturel parce que là, vous allez devoir en faire preuve de naturel dans notre dernière rubrique, ça s'appelle en toute franchise. Alors en toute franchise, c'est dans le nom. On va vous poser une série de questions et l'idée, c'est que vous y répondiez avec le plus de franchise possible, comme vous l'avez fait jusque-là, finalement. Sauf le salaire. Euh, sauf le salaire. Bon, ce sera ma dernière question. Combien vous gagnez <laughs> Non, je plaisante. Quel est votre plus beau souvenir de carrière Ah. Si vous dites on choisira, j'imagine que vous en avez beaucoup. Hein. Mais bon, il faut en choisir. Hein. Démarrer l'émission en mars 87. Votre première émission, c'est vrai Oui. Et à ce moment-là, on... Enfin, c'est on saut vers l'inconnu. Hein. Vous vous en souvenez vraiment parfaitement de cette première émission Oui, oui. Eh ben, à chaque fois, on me recolle un des génériques euh, <laughs> Là, vous avec, le le... avec la cravate club. Euh, vous n'aviez la... pas de barbe à l'époque, d'ailleurs. Bah non, 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 <laughs> non, 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 j'étais le jeune homme. Euh... <laughs> Bien, bien présentable. <laughs> oh, vous êtes encore un peu présentable quand même, non ben, J'espère. <laughs> Merci. <rire> Quel est le pire souvenir de votre carrière maintenant Ah, il y en a. Ah, il ouais. ah, euh, oui, y a eu des fiascos sur des émissions. On en rit aujourd'hui, mais oui, il y a eu des fiascos retentissants. Ouais. Lequel, par exemple, qui vous, euh, qui vous vient euh, à l'esprit Un des quand même des plus monumentaux, c'était euh, parce qu'on a fait de l'avion ah, ouais. euh, dans, ah, oui, dans au début. Turbo. On avait euh, prévu de faire une émission à bord de Concorde, donc entre Paris et, et New York, à bord du Concorde. Ouais. Et euh, quand je suis arrivé au, au salon qui était euh, réservé aux au passagers Concorde, mon équipe m'attendait, enfin, okay, puis il y avait un caméraman et une preneuse de son, et puis les gens de la communication d'Air France. Et je leur explique donc à mon équipe euh, s'il fallait leur relire encore qu'on attendait la fin du service à bord. Il y avait 3 h 15 de vol, il fallait aller vite quand même. Ouais. Et on commençait le tournage. Et là, je vois leur mine, tient à peu près comme la, comme la table. Là. Ah oui Déconfite. En fait, à l'époque, on, on chargeait les caméras avec des cassettes. Ouais. Et les cassettes, ils avaient mis en soute. Ils avaient non. enregistré en soute. Oh. Donc les gens, ben, le staff euh, ouais. d'Air France, entend ça, ils me disent euh, c'est impensable. Qu'est-ce qu'on fait euh, On ah, oui. ressort. Non, non, on ne peut plus. L'avion va décoller. Ah euh... oh. Donc, on a tourné ce qu'on appelle des caméras carton, c'est-à-dire pendant tout le vol, j'interviewais euh, l'équipage avec la lumière rouge qui clignotait, puis les passagers qui avaient accepté de, de répondre. Donc, euh, on a refait l'émission. Alors, je le dis parce qu'évidemment, ah oui. ils avaient composé un équipage euh, topissime. C'était l'équivalent de Brad Pitt et Robert Redford euh, ah oui. en poste de pilotage, super sympa et tout. Au retour. Ils nous ont fait payer la monnaie de la pièce. Ah ouais C'est-à-dire on... ah bah, Vous, avez... les... Vous avez voyagé dans les toilettes. L'équipage revêche euh, qui répondait à peine aux questions. Oh. Et après, je me suis dit, mais oh. quand l'émission a été diffusée, je me suis dit, la tête de l'équipage 1, ouais. quand ils ont vu l'émission, elle se dit, mais euh, on ne les connaît pas. Enfin, on les connaît, mais euh, pourquoi eux et pas nous euh, Il y, y en ouais. a eu d'autres. Euh... Ah, ça, c'est vraiment le, le, la ça, crainte de tout journaliste, ouais, d'oublier les cassettes, ou d'oublier même d'appuyer sur le, le ouais, bouton « on ouais. ». Alors que vous avez une super interview, au final, vous vous rendez compte ça que arrive. Ça, ça arrive. Ça arrive. L'erreur est humaine, comme on dit. Si vous n'aviez pas été journaliste, vous auriez aimé exercer quel autre métier Plusieurs. Ah. Plusieurs. Mais mes études universitaires me conduisaient à être dans la magistrature Je voulais être juge pour enfants. Juge pour enfants ouais. C'est la deuxième fois qu'on nous dit ça cette semaine. Mais qu'est-ce que vous avez avec les juges pour enfants Je ne sais pas. Et, et je dis toujours heureusement parce ouais. que... Ils ont peut-être échappé au pire avec moi. <laughs> c'est vrai. On en d'autres petits encore. Euh, une autre question que je voulais vous poser c'est -ce un peu de la psychanalyse, attention. Hein. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique ouais, C'est dans l'intimité, là. Ah, bah écoutez, euh, c'est la fin de l'interview. On, on se permet le des choses. plus dans mon caractère. Ouais. Euh, je suis peut-être trop confiant, trop ah, généreux. Oui D'accord. Ouais. Vous voyez toujours le, le, la bouteille à moitié pleine et ça peut vous jouer des tours. Oui, ouais. je, je suis très très fidèle. Ouais. Je suis un caractère entier, je vous livre tout. Hein. Ouais, et euh, je déteste être trahi. Ouais. Et voilà. là par contre, vous êtes rancunier après. Hein. Terriblement rancunier, oui. Ouais. Ouais, ouais. Bon, et dans votre apparence physique maintenant Alors, je, ça c'est une réalité. Ouais. Quand on me demande de faire des selfies, ouais. les jeunes comme vous, ouais. euh, ils font tous 1m80, 85. Ah, oui. J'aurais aimé que mes parents me permettent de faire au moins 1m80 pour. Alors, Denis Brognard, là, je suis battu. Ouais. Mais euh, voilà, je souffre un peu de. de votre taille, quoi. De ma taille, oui. C est, c est votre petit Après, j'assume tout. Hein. J'assume tout euh, les, cheveux, ouais. les cheveux gris. Euh, faut, Il ouais. faut vivre. Euh, voilà, oui. j'en fais pas du tout de, de parano euh, en me disant. Oh et oui, tout le monde en prend. Exactement, on est tous logés à la même enseigne. Tout en Malheureusement. Et une dernière question que je voulais vous poser. La musique que vous écoutez en boucle en ce moment, vous qui êtes un passionné de musique Waouh Dans quel domaine alors Ce que vous voulez, jazz, rock, rap peut-être Ah non, rap, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. En musique, je vous l'ai dit, je suis un fanat de blues, de rock. J'adore les Stones. Ah, les Rolling Stones. J'adore ouais. les Stones. Je sais ah je, je, pas, à chaque J'ai eu la chance de les voir ah ouais. en concert à chaque fois. Et je Parce qu'ils sont allés à Nanterre, la... c'est ça, récemment Oui, oui. Ouais. Ouais. Scotché euh, par la, ouais. la, la vigueur, la ouais. vivacité, de, notamment de Mick Jagger. Ah ouais. J'aimerais bien, bien l'avoir dans l'émission. Je bon, ne pense pas que s'il s'intéresse à la voiture. Oh, bah pourquoi pas. Non, Sophie, qui a la voiture. Bon, écoutez, je donnerai son numéro de téléphone portable. Il regarde régulièrement le PAS TV Mick Jagger. Et puis, euh, <laughs> et puis en musique classique, bon, bah, j'ai tellement de compositeurs qui me. Qui me berce euh, régulièrement. C'est vrai que vous ratissez l'argent. Musique classique, jusqu'au Rolling Stone. Ouais, hein, oui, mais je peux euh, vous parler de, hein. des écoles scandinaves, ah, euh, oui. euh, du post romantisme, de Bruckner, de Malheur. Bon, ça fera l'objet d'une autre émission. Hein. On vous réinvitera pour euh, une spéciale musique classique. Nos problèmes. <laughs> bah, merci en tout cas, David chabat Merci d'avoir accepté bah, merci. notre invitation. Je rappelle que vous présentez donc Turbo. C'est chaque encore. dimanche. Encore. Hein, encore. Vous <laughs> avez 35 ans. On commence à, 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 à comprendre que vous êtes vraiment l'animateur. Et c'est ce dimanche matin. Il faut surtout pas rater cette émission des 35 ans avec Karim Benzema en invité. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et nous on se retrouve lundi avec un nouveau Best TV. Nous allons recevoir un acteur qui joue l'un des rôles principaux de Clem. Ça fait deux. Maintenant, il donne la réplique à Agustin Galliana et Lucie Lucas. Il s'agit de Lou Denier Lyon que vous avez par ailleurs connu dans Scène de ménage. Souvenez-vous, c'était il y a quelques années. En attendant, vous souhaite un excellent week-end et donc à lundi pour un nouveau Best TV.